Faites-vous sur mes voeux un pouvoir légitime. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère. Oh, chimère ! Titan, auprès de vous, me fait son interprète. Et son cœur est épris des grâces d'Henriette. Quoi de ma fille ? Vous ignorez l'histoire. Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas ? Prêtons l'oreille au reste. Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Je veux nous venger, toutes, tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous range les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés.